On a Robert Godard. Les enfants, on avait Robert Godard. Je ne sais pas si vous avez dit, on a Robert Godard. C'est comme si on vous disait, il y a Alfred Hitchcock, quoi. C'est Robert Godard, c'est une. Vous voyez, je viens de l'apprendre alors, parce que moi, ça a été un de mes rêves, c'est que Robert Godard soit à Saint-Maur-en-Poche. Robert Godard, c'est voilà, c'est un des monstres sacrés du polar anglo-saxon. C'est mes polars préférés, pour ainsi dire. C'est l'intelligence, la finesse, l'histoire. Enfin, il a tout ce type. C'est énervant d'ailleurs. On aimerait bien qu'il en fasse un qui soit pas bon, parce que ça nous permettrait d'être méchants. Il va pas du tout jusque-là. Et puis alors il y a le dernier qui vient de paraître en poche, donc il a exactement sa place là. Puis c'est Robert Godard, quoi. Je veux dire, les enfants, s'il y avait même qu'une raison de venir au Salon des livres de poche de Saint-Maur, c'est Robert Godard. Voilà. Robert Godard est aux poches ce que la moutarde est à Dijon. Enfin.